bienvenue à tous dans ce nouveau vlog, j'allais dire mini-vlog, tellement je suis matrixée par... Audrey a abandonné. Bienvenue à tous, vous savez ce format, la réalité... J'ai encouru. Ce qui fait chaud déjà. Ce qui va se passer déjà, ça va commencer très fort puisqu'on rejoint Pape et Théo. On va s'asseoir manger ensemble. Pape, ça fait... On l'a vu la semaine dernière en fait. On l'a vu mercredi pour sa soirée. C'est même pas la semaine dernière, on l'a vu il y a 3 jours. C'était il y a 3 jours. Mais ça faisait un an qu'on l'avait pas vu. Et il s'est passé tellement de choses, un an pour lui notamment. Pas pour nous tant que ça, mais pour lui, on a plein de choses à rattraper. Du coup, on va vous emmener avec nous. Comme d'habitude, vous aurez des moments de vie à Séoul. Ah, attendez, je vais acheter ça. Regardez comme c'est beau. C'est de toute beauté. Regardez ce que je vais faire, Audrey. C'est de toute beauté. On y va? Ah, c'est parti, hein. Pardon, je n'avais pas compris la transition. Avant de retrouver Pape et Théo, on va vous parler de la collaboration de cette vidéo. Si vous êtes des voyageurs comme nous, vous avez forcément besoin d'une assurance pour vos voyages. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'application Kitty. En vrai, que vous soyez néo-nomade, c'est-à-dire voyager de temps en temps comme nous, tous les 3-4 mois, ou alors que vous soyez expat dans un autre pays, il est toujours important de vous protéger, puisque nous ne sommes pas en France, nous n'avons pas la sécurité sociale à distance. Kitty est donc une application qui regroupe des services et des assurances spécifiques pour les voyageurs. Donc avec Kitty, vous êtes protégé partout dans le monde, et vous avez des notifications quand vous changez de pays pour juste adapter votre contrat d'assurance en quelques clics. Vous avez plusieurs formules qui sont proposées. Tout dépend de comment vous voulez vous assurer pendant votre voyage. Mais tout s'adapte très facilement, c'est assez instinctif sur l'application. Vous pouvez souscrire en un clic et aussi résilier en un clic, selon aussi ce que vous souhaitez comme formule quand vous partirez en voyage. Vous avez à disposition dans cette application un planificateur de voyage, mais aussi la possibilité de consulter un médecin. En cas de chute, on tombe facilement très malade. Donc c'est trop bien d'avoir accès à un médecin qui parle votre langue, pour savoir ce que vous savez. Et Kitty, c'est une app collaborative, donc vous pouvez donner votre avis sur éventuellement les prochaines fonctionnalités qui arriveront sur l'application. Voilà, donc Kitty protège, accompagne et met en sécurité, que ce soit online ou offline. Et avec le code MADEINLOU, vous pourrez avoir 15% sur un abonnement de 6 mois avec Kitty. Donc n'hésitez pas, si vous voyagez à Séoul ou au Japon ou autre part, c'est toujours bien d'être protégé, sait-on jamais. On continue le vlog, on retrouve pas Pape et Torta, c'est bon? Là il discute de voyage. Moi j'ai faim. Tout seul. As usual. Je suis vraiment toute seule. Bordel. Il y a une fontaine. Oh waouh. Oh c'est trop joli. Bombastic side eye. Gentleman Starlou. Ah putain ouais. Enfin, moi j'en achète. Ça, ça me va pas, ça. Non. C'est bon. Ça va pas les... Ça aussi c'était bien ça. Ah bon ça va pas. Essayez-le lui celle-là. J'essaye celle de Théo. Eh mais tu... C'est vraiment le meilleur truc de filmer avec un iPhone. C'est ouf. Regarde, Lou de toute façon, je lui mets un chapeau et des lunettes. Mais oui ça va hyper bien. Même son Bob il va bien. C'est son béret. T'as là je suis pas sûre tu vois. Par contre j'adore les verts. Alors mon ref, c'est pas une... T'as là je pense pas. C'est pas une forme qui... Ici toutes les lunettes te vont là, ça se roule. Ses lunettes. Ouais. Tu l'as pas tes lunettes Théo? Ouais, je sais, je les mets jamais sur ma tête. Ah, je sais justement. C'est vrai, eh, tout va bien toi. Ouais, mais oui, hein, de ouf. Toi, tu pourrais être un modèle de malade. Hein. Ah ouais? Ouais, je pense, hein. Dites si j'ai raison dans les commentaires. Il va venir, il va prendre Lou en photo. En vrai, non, en vrai elle est hyper modèle de ouf. Hein. Tu sais que genre elle pose trop bien. Non, mais ça se voit, c'est une dinguerie. Je vois de toute façon les photos sur Insta. Mais oui, elle pose trop bien. Il va te prendre en photo là. J'ai pas ma caméra malheureusement. Ça va là? Ça va là? Ouais.
La vidéo va pas être démonétisée. T'inquiète. Ah. T'inquiète. Regardez-moi le monde. Là, vous m'avez pas demandé mon body card. Ah oui, c'est vrai. Et je vais te demander après de passer à autre chose. Ils sont en plein débat de Zelda là. Ça fait genre au moins, je rigole pas, 15-20 minutes qu'ils sont sur Zelda. De quoi ? Hein ? Mais ouais, mais c'est le meilleur mais jeu. Mais le débat de Zelda ! Achetez-le ! Vraiment, il est trop bien. De quoi ça fait plaisir ? Bah, c'est bien que tu joues. Parce que du coup, tu comprends mon enthousiasme. Bah, j'essaie de les faire paraître un peu plus grandes quoi. Si je filme là, oh la vue de drone. Non, oui. Mais il y a un drone qui me suit. Ah. C'est mon pote lui. Il se souvient de mon prénom et tout alors qu'il était torché. Les malheurs de Théo. Putain, ça te va grave bien. Théo, le trône. Je pense que tu es un peu maladroit, le type. Il est en train de répondre, c'est un podcast, il va sur le pied. Hein. Ah ouais, tout ça. Mais t'as d'espoir, c'est bien. Non, mais je vais le réparer, je suis ingénieur. Mais assis-toi, je suis ingénieur. Assis-toi, l'ingénieur. Je suis ingénieur coréen. Non, tu mens. T'es mexicain. Pour rentrer à la maison, il est quand même minuit 30. À un moment donné, il faut aller se coucher en fait. Parce qu'en plus, demain, on sort. C'est une soirée à l'appartement. Il faut recharger les batteries là. Les batteries elles sont à plat. Demain soir ça va m'achever. J'avoue, tu vas être KO. Frère. Je vais être KO. Tu dormes bien ce soir et que tu fasses une petite sieste avant de partir. Ouais, c'est. Je vais être KO. Je vais dormir ce soir. Ah putain, on a oublié la transition. Ah merde. Je crois que j'ai dit transonner correctement. Ce soir, toujours plus de gens. On va chez les potes à Yongyu. L'eau, elle a fait trop d'efforts. Moi, j'en fais aucun. Je suis fatiguée là. C'est dur. Qu'est-ce que je veux dire? Oh, mais ils sont face à nous! Can you hold this? Just because I'm. Thank you. J'ai une femme, je vois pas les trucs en fait. Il y en a marre. En plus, j'ai grave mal au pied. Mon pied! Bref, on va passer une soirée avec eux. Mais c'est soft, ce soir, vous inquiétez pas. Parce qu'en plus, demain soir, on voit encore Asia. Et Molo. Et Molo. Il y a trop d'événements pour moi. Genre là vraiment, genre même les sons qui sont un peu forts, ça m'angoisse. Vraiment ça m'angoisse, je pourrais pleurer. Ah ouais? Ah ouais, je pourrais à pleurer. Ah oui. Non mais vraiment, quand je te dis que ma batterie sociale, elle est à plat, c'est qu'elle est à plat. Genre là, quand il crie dans le truc, je me suis dit, il crie encore une fois, je pleure. Ah ouais? Ah ouais, je suis vraiment down. Ça va aller. Non, je vais faire un effort. Yeah. Really? Y'a quel point que ça t'intime de Julien? Y'a t'as été la tête chou. Elle kiffe hein. T'es ouf. Tu m'étonnes. On est sur un level là les gars. Mais il qui conduit la voiture de Yo-Yo. Push the button. Okay. Push the button to turn on the car. Your brake. Push the button. Drive. Doigt, putain.
vous expliquer un peu ce qui se passe, parce qu'il y avait beaucoup d'images là. Hier soir, on était chez les potes à Yongyo, et là, on s'apprête, je suis habillée pareil qu'hier. J'avais pas envie de réfléchir aujourd'hui, je mets bien ma tenue, je suis habillée pareil. Donc là, on s'apprête à aller voir Asia. Je dis, là, on enchaîne depuis une semaine, on voit que des gens. Genre, les batteries sociales, elles sont épuisées. Enfin, surtout celle de Mei. Très mauvais idée de se mettre rouge à lèvres en même temps parler, c'est très con comme move ça. C'est un rouge à lèvres qui vient de Style d'ailleurs, il s'appelle Black Rouge. Donc on s'apprête à aller voir Asia, on va dans un café qui est pas loin, qui est à Yonam. Yonam, quartier incroyable. Et on va au café Margaret. Vous aurez des images, c'est un joli café. Comme si on vous montre, cette semaine il n'y a pas de vidéo qui sort, ça vous le savez pas. Mais comme Yongyu, si vous l'avez pas encore compris, part en fait. Je vous dis pas ça en mode vous avez pas compris, vous avez pas écouté, c'est juste que. En fait, il part faire un peu un tour du monde. Et du coup, les deux dernières semaines, Mei a beaucoup profité, évidemment, de son cum. Et n'a pas eu le temps de monter les vidéos qui devaient sortir. Du coup, je vous avoue que ce séjour à Séoul était un peu plus chill. À chaque fois, il est de plus en plus chill. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter, peut-être? Mais c'est pas grave. C'est la vie, faut profiter aussi. Voilà, c'était juste pour vous faire un update de nos batteries sociales qui sont un petit peu down. Parce que là, on enchaîne. Et je crois qu'on va encore voir des gens là dans les prochains jours. C'est beaucoup quand même. On est Tibar, finally. On va arriver en retard, mais pas beaucoup, non, 10 minutes. Et le temps est super agréable. Genre là, on a pu mettre des pantalons et on n'a pas chaud. Ah bah c'est là. C'est vraiment juste à côté. On y est. Margaret Café. Allez-y. J'ai peur de faire une capacité. Mais non. Vous avez... Vas-y, Maïk, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire. Comment on fait maintenant? Bien joué. Ça va. Sous le plastique. Tu glow. Et glow. Bye bye. Non, j'ai pas, j'étais sur la caméra. L'aide se pose. Parce qu'il avait de la laitue, il a lancé de la laitue. Mais cette série, elle est full cringe, mes frérots. Bah, si vous l'aurez peut-être compris, on a commencé la série Exo Kitty. On souffre, hein. Ça fait. C'est de 3ème épisode. Hein. Comment ça, ils arrivent même pas à faire les scènes de drama là, ou attraper les bras et tout? C'est une cata cette série. Hein. Putain. Du coup, je comprends quand les Coréens étaient pas très contents parce que. C'est pas qu'ils sont mal représentés. C'est que la série, elle est nulle. Ça chie à la gueule tous les K-dramas. Franchement, regarder des dramas, c'est mille fois mieux. Hein. Les acteurs sont mauvais, je suis désolée. Ils sont jeunes et tout, peut-être qu'avec l'expérience, je sais pas, ils s'amélioreront. Mais là, ils sont nuls, mon ref. Le minot, là. C'est juste pour comprendre. Non, mais non, il est vraiment nul quand il a pris l'anti pour faire genre qu'il allait... Non, non. Genre, moi, ça, c'est du niveau de nous quand on fait des dramas, frère. Avec une meilleure caméra et des meilleurs angles. Meuf, le moment où elle lui jette le coussin et tu vois un autre plan avec le coussin, là, pareil, comme ça, c'est une vidéo TikTok. C'est la même chose, d'accord? Pour moi, c'est la même chose. Les deux plans, ils étaient... Oh, non. Attends, on va refaire le plan. On va refaire le plan. Vas-y. Attends, je vais lancer sur Audrey. Attends, il était comment, lui? Au bout de sa life. Je suis là. Ok, je vais lancer le coussin vers toi, comme ça. Tu le rattrapes et après on fait un deuxième plan. Ok, vas-y. Non, tu prends du point de vue d'Audrey, c'est bon? Ouais. J'ai Audrey là. C'était la même chose. Non, moi j'accepte pas ça. Hein. Qui c'est qui regarde ça? Qui c'est qui regarde ça et qui dit bonne série? Vraiment? Le problème, c'est beaucoup de... Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en mode second degré, tu vois, comme nous, genre. Wouah les gars, moi j'oublie que je fais des vlogs et tout. Là je suis en train de monter un truc. On est où déjà? Naksan Park. Nous sommes actuellement en Naksan Park. Vous avez la muraille.
le cardio est très mauvais comme vous pouvez le voir. Mais la vue est belle. Et les marches. Et mes potes savent à quel point je déteste marcher ou monter des trucs parce que je suis asthmatique. Et que c'est difficile. Même si je fais du sport et tout, je vous jure, monter des marches, c'est un autre bail. Je vous laisserai avec des belles vues. Et je vous souhaite bon courage pour ce parc. La technique est la suivante. Marcher à l'envers pour monter des choses. C'est une leçon de vie finalement. Faites pas comme tout le monde. Merci Léa Djouma. Think outside the box. Marcher à l'envers. Pour vos cuisses là c'est mieux. Alors là on est sur un chemin frère. Si t'as un problème de ligament c'est mort pour vous, c'est clair. Parce que là sinon vous avez le genou qui part. Il y a un monsieur derrière là qui s'est arrêté, il a fait une pause. Et bon dieu que je comprends. Et même en descendant du scooter je fais pas ça hein. C'est trop dangereux. Voilà l'état de la route. Donc vraiment si vous avez des problèmes de genoux faites pas ça. Sinon vous aurez encore plus de problèmes de genoux. Tu vois mais je suis pas sûre qu'elle puisse faire ça en vrai. Avec son genou ça aurait peut-être été pas là, un peu je pense elle aurait ouais. Vous allez faire foutre. Oh les gars j'ai peut-être du sandwich encore sur la bouche. On est dans la rue des Tteokbokki. C'est qu'une rue avec que des tteoks. Ça s'appelle Shindangdong Tteokbokki Mongolie. Down. La rue des Tteokbokki. Yonaseyo. Ouais je parle coréen ouais. C'est connu, c'est connu. Je suis coréen. Toutes les stars ont été ici manger les Tteokbokki. Il a besoin de deux personnes. Allez, Lou elle va faire du En plus stop. J'ai bien la dégaine là. Du blanc backpacker. En plus c'est bizarre. J'ai l'impression que ça me suit, genre. C'est grave, c'est ça. Non, mais le poids, il est reparti trop vite. Fais pas ça en arrière, on fait pas ça en arrière. Essaie de tourner, ça va. You should clip the button on your waist. La waist. Mais oui, c'est mon cul, frère. My ass is too big. Je crois qu'il est pas à ta taille. It's more comfy, right? Yeah! J'ai wow. Je vais tomber en arrière. Hein. Ouais, c'est cure Audrey au cas. Oh. Attends. Je vais tomber en arrière. Vas-y. Non, ça va. Fais comme ça, genre comme j'ai fait moi. Tu captes? Mais je sais encore plus maintenant que je ne partirai jamais avec ce genre de sac en vacances. Faut faire tes caries stress, ouais. C'est comme ça qu'on aura des solutions. Est-ce qu'on rend bien comme ça? Je suis pas sûre, hein. Mais cours, va pas arrêter la voiture. T'es bien, Jessie, moi, t'es bien. Mais donc dans XO Kitty, hein. Ouais, je te jure. Oh, you can like a loosen. Loosen it. Non, It's ok. You're gonna have to... C'est à qui ça? C'est à moi, t'inquiète, tu peux jeter. Clairement. Et là... It's okay, it's normal. Even us, before going to Korea, we're like, we're not going. We're gonna stay here. It's good here. Let's not take the risk. On dirait, ouais, je suis en 6ème, là. Si. C'est de ouf. May look like that in, when she was 12. With the bag. Enjoy. See you on July. See you soon. À toutes. Donc quand on Ka. Bye bye. Tu vas où? Je vais aux États-Unis. Aux États-Unis? Faire touriste. Faire le touriste? T'as raison. Bon, du coup, nous on va à l'aéroport. J'ai un peu la flemme. Il est même pas 10h du matin. Donc je vais revenir sans Yong-Yu.
Ce sera la première fois que je serai sans Yongyu à Séoul. Parce qu'il est là depuis le vlog number one, on se souvient. On est arrivé à l'aéroport. On va déposer les bagages. Et après, on va aller à la pharmacie parce qu'il sent que son estomac, il est en train de faire des trucs bizarres. Mais je pense qu'il a pas l'habitude en fait d'être stressé parce que moi, mon estomac, il se retourne à chaque fois que je vais en voyage. Et puis ensuite, on va aller manger. Et puis ce sera l'heure de partir pour lui. Il est stressé, le pauvre. Hein. T'es stressé? You stressed? Hell yeah. Yeah? It's gonna be okay. It's gonna be fun. Oh shit. En fait l'avion il a été retardé et on se dit genre en mode il doit prendre l'avion normalement à 13h40. Il a été retardé de 10h les gars. Donc il doit prendre l'avion à 23h40. C'est une blague. Frère, j'ai jamais vu un délai aussi long genre. Ça fait une heure qu'on est dans la queue. On est presque au comptoir mais c'est très long. C'est très très long. Ça doit faire une heure et demie je pense, c'est facile. Je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'en plus le truc c'est que lui il a un vol pour Seattle après normalement. Mais maintenant il peut plus le prendre. Il est éternel sur les gens. De taille normale. C'est passé trop de trucs là. Là en fait ils ont offert l'hôtel à tous les gens puisque en gros il y a un typhon dans la mer Atlantique, dans l'océan Atlantique. Donc ils ont offert l'hôtel pendant quelques heures jusqu'au départ de l'avion. Donc là moi je suis vraiment genre je me sens mal, je me sens coupable, j'ai l'impression de pas être à ma place parce que il a demandé du coup si je pouvais venir avec. Donc je vais avoir un repas gratuit et une chambre d'hôtel gratuite. Mais je suis pas censée être là. J'ai l'impression de m'incruster à un voyage scolaire quoi. Donc là on est dans le bus, on va à l'hôtel. J'ai faim, j'ai pas mangé depuis hier soir. J'ai soif. Yongyu il est malade. Il a de la fièvre. Donc là il faut vraiment qu'il prenne un médoc. On a attendu dans la queue du truc pendant 2h30, 3h. Ça fait vraiment 4h qu'on est arrivé là. On est un peu plus haut. On est un peu plus haut. C'est quelque chose hein, d'aller aux États-Unis. C'est un espèce de libre-service, mais pas grand-chose, quoi. C'est claqué au sol. Il n'y a rien à grailler ici. C'est une dinguerie. Il n'y avait que du porc et des pâtes. Quel droit. On arrive à l'hôtel. On va faire une sieste. Et voilà. Resté à l'hôtel parce que monsieur est malade, donc il a fait de la fièvre toute l'après-midi, il a dormi, il a fait des siestes. Il va pouvoir passer les sécurités bientôt. Je suis partie à 9h ce matin, je pense que je vais rentrer, il sera 23h. Lol. Donc là je retourne prendre le métro pour rentrer à la maison. Autant vous dire que je vais rentrer tard parce qu'il est déjà 10h30 là, j'ai hâte d'être à la maison. Vraiment, je suis fatiguée. Et je suis triste. Un petit peu, c'est vrai. Mais je suis triste quand même. Et en fait, là, je sais pas où je vais. C'est une dinguerie. Je monte, je descends, je monte, je descends. Je fais quoi? Je vais où, frère? Ça me gave. Pourquoi je suis du genre à me perdre tout le temps, là? Bon, bref. Je vais essayer de trouver. Je vous en dirai des nouvelles. On verra combien de temps je vais. C'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Maintenant, je vais mettre que des images jusqu'à ce que je rentre. Parce que là... voilà, c'est parti.
Bon, j'ai oublié de finir le vlog, mais suivez-nous sur nos réseaux et n'oubliez pas, en barre de description, vous aurez toutes les informations concernant l'application Kitty pour vos assurances de voyage. À la semaine prochaine, bisous!